Hello les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog ici et nous sommes à Six Flags, mesdames et messieurs, aux États-Unis d'Amérique du Nord, Los Angeles, Magic Mountain. Et puis on va découvrir un peu ce parc qui est un... Alors, c'est pas de la théma, hein. Ici c'est plus un parking à coaster comme ils aiment dire, mais il y a beaucoup de sensations, donc on va essayer de se régaler. Je vais essayer de faire le maximum de choses possibles, même si là je vous parle et je suis au bout du rouleau un petit peu, puisque toute cette Colossus qui était vraiment l'attraction qui limite me fait venir ici est fermée donc, depuis deux jours, donc j'avoue que j'ai un peu le démon. Là on va peut-être commencer avec Full Throttle. Je prononcerai très mal Full Throttle en bon français. Et puis on va essayer de pimper un maximum cette journée. Il fait beau, on a tout ce qu'il faut. C'est parti! Ok, on est sur le parking à coaster, on devait faire Full Throttle, mais 45 minutes au final, c'était du bon mytho. On va peut-être aller faire Apocalypse là tout de suite. Et après il y a West Coast Racers qui a l'air insane aussi. Bon ça va, on n'a pas tout perdu, il y a quand même des bons trucs ouverts. Vas-y, on y va. La fin pour nous ce soir. Premier ride de la journée, sachant que hier on a bu un peu d'alcool si je puis me permettre, et je suis dans un état moyen. On espère tout garder à l'intérieur, je n'ai rien à l'intérieur, mais je veux que ça reste tel quel. Oh, c'est un petit virage. Chaud comme ça, Ghost Rider est 20 fois mieux. Il est pas horrible, mais on est plutôt bien compressé au niveau du bide. Ah ouais, je te jure. C'est pas hyper agréable. Après, c'est mieux qu'en loup-garou. Hein. On est quand même, voilà, ça tape beaucoup moins. C'est sympa, mais très loin derrière Ghost Rider et Vodan. Hein. Même derrière ID. Je pense que là, ça mérite un petit 6 sur 10, quoi. C'est pas mal. À 1100 calories. C'est vraiment hyper sain, c'est pas gras. C'est l'avantage des États-Unis, c'est qu'on revient en forme. Quoi. 45$ les deux. C'est vrai ? Ouais. Je chiale. On est de retour, on a mangé, on s'est imbibé le bide. J'avoue, j'ai un peu trop abusé du tender bien gras là, je sens que ça va être terrible. On est en digestion dans la pub de West Coast Racer, qui est un dueling sympathique, qui dure en plus sur un petit peu de temps parce qu'on fait vraiment les deux parcours, et donc ça c'est assez cool. Je sais même pas combien il y a de temps d'attente, mais il y a au moins 40 minutes je pense, ça va être l'occasion de digérer, puis on va aller tester ça dans la joie et la bonne humeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses de fermées.
et c'est chiant. Alors déjà on a le seum, moi tout être colossus j'ai vraiment envie de chialer, mais au-delà de ça, ça se répercute sur les temps d'attente des autres attractions et c'est le problème, parce que comme c'est fermé, bah du coup il n'y a pas beaucoup de choses ouvertes et les gens se précipitent sur les trucs ouverts. Donc voilà, un petit peu compliqué. On est toujours dans le même land, on va dire le même endroit, hein. Là vous allez voir le trucs qui se mettent en place de ce côté-là. C'est un launcher. Et derrière on a Apocalypse qu'on a fait tout à l'heure, qui était comme je vous l'ai dit aussi à la fin et qui était cool, mais assez désagréable en termes de confort. C'est vraiment, on est très très loin d'un Ghost Rider ou d'un Godad ou d'un ID, c'est pas du tout la même chose quoi. Mais ça restait un wooden à faire, je pense qu'on le refera peut-être après. Il y a des membres de l'équipe qui l'ont pas fait, donc ils vont aller tester et se rendre compte par eux-mêmes que voilà, pour pas avoir trop mangé à la cantine avant, mais c'est cool. Et puis on va faire continuer le tour. Moi j'ai envie de faire Goliath de fou. Tatsu, je pense que c'est trop intense pour moi, donc je vais passer. Moi Fly m'avait déjà cassé la gueule et c'est beaucoup beaucoup moins intense. Et puis avec tout ce qui est Viper, Scream, tout ça, c'est des trucs à 7 inversions, j'en ai rien à branler. Apparemment il y a Full Throttle. Full Throttle apparemment c'est vachement bien, ils l'ont fait, ils ont grave kiffé. Le truc c'est grave, c'est passé à 70 minutes de queue. Donc il y a peut-être un monde où on va craquer, si à la fin on voit qu'on n'a pas trop de temps. On peut faire un peu à la manière de Disney, acheter un fast-pass pour une attraction. Et peut-être que je ferai le Yankee à ce moment-là, parce que bah quand même fait quand tu fais des plus de 10 000 km pour venir faire un parc et que tu peux pas faire les attractions, ce serait un peu chiant. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas fait grand chose effectivement, et le parc ferme assez tôt, ferme à 18h. Donc un peu relou là-dessus. Mais bon, on est là, on profite du beau temps et puis on a plusieurs essais plus importants. Et puis on va continuer de vous montrer un peu, le parc est très très grand. Et ça tient bien, comme je l'avais dit, sa réputation de parking à coaster, parce que c'est des rails partout. La théma, elle est zéro frérot, ça n'existe pas. Donc voilà, wait and see, on se retrouvera pour West Coast Racer à tout à l'heure. Les nuggets. Écoutez, il est juste excellent de confort en fait. Il est superbe. On se régale. Vous avez passé un bon premier parcours. C'est pas fini. Ok, on est sur le deuxième tour en fait. Parce qu'en fait c'est un dueling. Donc on fait la course, mais il n'y a pas vraiment de course, il n'y a pas de gagnant quoi. Et là on part sur le tracé jaune. Et franchement c'est hyper smooth, c'est confortable. Il y a des petits airtime. Je suis très content. Ça valait l'attente. Plus que les Simpsons. Il y a très peu de choses qui me Let's go. Et double launch encore une fois, donc on tape 4 launches aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on se régale les amis. Allez, on s'installe, on allume une clope. C'est vrai, ouais. C'est parti. Goliath, mesdames et messieurs, les parcs coaster Six Flags. Apparemment, il n'y a pas trop de monde, donc on va go. On va, après avoir fait West Coast Racer qui était génial, hein, moi j'ai vraiment kiffé. Ça valait le coup, mais là, les temps d'attente sont dramatiques, comme on l'a dit, à cause de tout ce qui est fermé. Donc il y a une heure à peu près partout. Il a apparemment 35 minutes, donc on va les tester, on va se régaler, je l'espère, un bon hyper coaster. Enfin, on va voir. Il y a 2 heures à partir de ce point. Tu mens. Je te jure. Arrête tes conneries là. Regarde. Mais qu'est-ce que mytho aussi. Qu'est-ce que tu caches. C'est. Je te souris. J'ai très peur.
bâtard. Arrête tes conneries. Bâtard. Rapide, juste au-dessus de tout ce qui est au-dessus. Là du midi. Ouais, oh, je chiale. Par les jets que tu prends. Par contre, la zone de frein, absolument pas normale ici. Et n'a pas de sens. C'est infâme de faire tomber comme ça. Oh non. Qu'est-ce que tu caches? Oh merde. Oh, oh c'est terrible, moi. Qu'est-ce que tu caches? Oh la vache. Enculé. Oh. Bonsoir. Ok, on sort de Goliath, qui est donc leur hypercoaster, et je suis encore sous le choc, sous l'émotion. Donc hypercoaster qui ressemble un petit peu, enfin dans l'idée c'est comme Silverstar pour ceux qui connaissent Europa Park. Il monte quasiment au même hauteur, hein, c'est 71 mètres ici, il y a 2 mètres de différence. Mais moi j'ai trouvé beaucoup plus intense qu'un Silverstar, même si il y a une zone de la zone de mi-parcours, une zone de frein qui nous a nous totalement arrêté, alors qu'on avait qu'un groupe qui était juste devant et eux ça les a juste freiné, puis après ils ont continué, nous on a vraiment été à l'arrêt, puis après ça a redémarré. C'était un peu bizarre. Mais oui, j'ai trouvé plus intense parce que la deuxième partie avec les vis de fin, là, le tourbillon. Mais écoutez, c'était à ça d'avoir un voile gris. Et la seule fois où j'ai eu ça, c'était à Nigloland sur Alpina Blitz. Donc ouais, je suis ressorti de là. T'as l'impression que le sol se dérobe sous tes jambes. Mais c'était vraiment génial. C'était top. Et la première drop, elle me régale. La première drop, elle blague pas. Donc top, franchement Goliath ultra validé, ça fait plaisir. En plus on n'a pas fait d'attente, on a dû faire 10 minutes, 15 minutes même pas, parce que on a voulu faire la first row. Donc vraiment génial, je suis passé à Six Flags, ouais c'est à faire, c'est vraiment à faire, et puis c'est plutôt confortable donc ça va. Là écoutez, le temps se couvre un petit peu, on se promène, il fait bon. Et apparemment il y a un peu moins de temps pour Riddler's Revenge, mais bon ça c'est pas trop pour moi, donc on accompagne Groupie, bon, on va aller le faire. Mais c'est 6 ou 7 inversions, t'es debout, enfin bon, j'ai encore le tender là, il est coincé au niveau de l'œsophage, donc on va essayer de le garder ici. Et je vais pas tenter, donc on va voir ce qu'il y a ensuite. On aura full throttle à faire aussi. Et apparemment il est vachement bien, mais il y a beaucoup de monde. Voilà, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de faire beaucoup de choses, en tout cas pas tout, parce que effectivement le parc est très grand et c'est les Américains, ils sont très nombreux, donc c'est des gros temps d'attente. Et puis ça ferme à 18h, mais on passe un bon moment et c'est le principal. Donc là on va voir sur quoi on part. On part stand-up, c'est-à-dire là je suis au Jamel Comedy Club, je suis debout. C'est hyper flippant. Bon, allez, assis dessus. Ah, mais le stand-up est horrible en fait, parce que là, on va tomber.
ça flotte un petit peu, je suis pas le plus serein du monde là. Apparemment on va se blesser. Ah ça c'est X2. Oh putain, il fait tellement la caméra, ça l'a enculé. Oh non, plus rien. Ah non, mais c'est plus que sa mère. Oh la vache. Oh mamma mia. Oh Oh frérot, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches? C'est looping. Oh, oh, il m'a détruit la gueule. Allez, de retour, vous l'avez vu, l'ami Kazu qui allait filmer les trucs que moi je ne peux pas faire. C'est cool en vrai parce que vous avez un autre point de vue, puisqu'il a fait Riddler Revenge et il a fait Viper, parce que Kazu, c'est vrai qu'il est un peu maso, quoi. Il aime se faire du mal, il aime être fouetté, il aime se faire ce qu'il faut. Donc là, on va faire New Revolution, en espérant que ce soit good. On sait pas où est l'entrée, on sait pas où est la sortie, on passe par où. Tout le monde passe par là, bah let's go. Nous, on va tester. Moi, j'ai eu une petite période à vide là où j'avais mal de crâne et tout, parce que la soirée d'hier m'a mis mal, hein, je vais pas vous mentir. Donc, j'ai un gros mal de crâne à un moment. Alors, j'ai fait une petite pause. On va dire d'une heure. Pas d'une heure, on a pris du Dafalgan. Et ce soir, ça va aller rompige très très vite, je vous le dis. Bref, non, on a quand même pu faire pas mal de choix, pas mal de trucs ouverts. Et en gros, sur la fin, je pense que ceux qui veulent faire les bangers où il y a trop d'attentes, genre X2, il y a 140 minutes, c'est genre no way. Tatsu, il y a 65 minutes aussi, c'est chiant. Voilà, chacun va un peu gérer celui qu'il a envie de faire, puisque avec un petit 10$ on peut passer de suite. Et moi je vais aller faire Full Throttle, que j'ai pas pu faire ce matin et qui a l'air très très chouette, et j'aurais fait à peu près ce que je voulais faire sur le parc ici, même si je vous dis ça avec une petite pointe de déception, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je voulais faire et qui ne sont pas ouvertes. Entre la drop, l'exutant, entre Escape from Krypton, entre Twisted Colossus, effectivement, voilà, j'ai des petites larmes, mais on passe quand même un bon moment, heureusement, il ne manquerait plus que ça. Je pèterai mon crâne contre mur. Donc on y va, New Revolution, c'est derrière, on va tester. Ils sont malades ou quoi? Là, faut se faire soigner, what the fuck? Ah.
Bon bah trop de freins, on sait pas pourquoi en fait. Juste ça freine tout le temps. Bon bah voilà. Par contre le looping, je m'attendais à une belle merde. Et j'ai pas été déçu. Mais non ça va, en vrai la belle merde pour moi c'est celle d'Indiana Jones à Disney. Et bah c'est bien, il était ok. C'est juste que c'est familial quoi. C'est un Franchement c'est un familial avec un looping. Ouais nous, là vous êtes un peu ok. Oh bâtard. Quand on vous dit que la théma ça joue beaucoup, c'est pas. Ils savent pas mettre en valeur. Hein. Ok, on est dans la file de full throttle là, qu'on n'a pas pu faire ce matin parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était un peu chiant en fait, on n'avait pas à temps. Donc là on s'est décidé à le faire parce que effectivement les gens avaient bien kiffé, les gens du groupe avaient bien kiffé, les autres c'était sympa. Et puis il y a beaucoup moins de monde, donc là je pense qu'on est à ouais, 25 minutes, un truc comme ça, 25-30 minutes, donc ça va, c'est ok. Et puis ça va bientôt être la fin de la journée, on va tester, apparemment il est vraiment cool et on aura fait à peu près le tour, mais vous le voyez. Marrant encore. Je pense que c'est vraiment ce qui. Je comprends mieux quand je parlais avec l'ami Jérôme que j'envoie, ce qu'il me disait, ouais, tu verras, c'est bien hein, les attractions, mais c'est un parking à coaster, et c'est vraiment un parking à coaster quoi. C'est des endroits, t'as les coasters, et c'est tout. C'est pas bien mis en avant, on a fait des boutiques, c'est pareil, t'as l'impression qu'ils veulent pas vendre de merch alors qu'ils ont quand même des licences de fou, ils ont DC, ils ont Batman, ils ont Superman, ils ont. Enfin, de toute façon, on l'a bien vu sur les coasters, là ils ouvrent bientôt, dommage, on sera pas là, mais ils ouvrent, comment ça s'appelle, Wonder Woman. Ils ont les Looney Tunes donc, et c'est pas mis en avant, donc je trouve ça un peu dommage. Ça, on dirait un parc qui n'a pas d'âme, je dirais. Voilà. Après, le contrat des coasters il est rempli. C'est vrai que chaque coaster que tu fais casser la gueule. D'ailleurs, ça peut être même un peu difficile parce que bah, voilà, si t'as pas trop de temps d'attente, il faut enchaîner quoi. Faut arriver à chain ride et à tenir, etc. Moi j'ai fait une petite pause d'une heure comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, à part le fait qu'ils aient des très bons coasters, le reste c'est pas beau quoi. C'est un peu déprimant. Et c'est pas du tout un parc familial par contre. Moi je vous conseille vraiment pas si vous venez avec des gosses et tout, ne venez pas ici. Vraiment pas fait pour ça. Aller à Universal c'est bien mieux adapté, bien plus sympa. Et il y aura quand même quelques univers, il y a des trucs pour les gosses ou ce genre de choses. Ou tout simplement aller à Disneyland, je pense qu'en Californie on a pas pu le faire, mais ça doit être assez cool aussi. Voilà, c'était un petit débrief, j'avais juste envie de discuter comme ça, et là on va aller se faire, donc comme je l'ai dit, full throttle, et on se retrouve juste après. On est sorti de full throttle. On n'a pas pu filmer parce que c'est impossible de filmer en fait. Ils ont vu la GoPro machin et donc c'est pas passé. Casu a tout tenté, des moves, il a essayé d'assommer les cast members, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on vous mettra une vidéo on ride très intéressant comme ride. Hein, c'est vraiment en propulsion, donc tu fais 0-110 très très rapidement. On a vraiment un super looping où on reste quelques temps la tête en bas. Enfin, vraiment, tu prends ton temps. C'est assez cool. Après on enchaîne avec un virage, on a une vrille, on s'arrête et là en gros il y a une deuxième partie où c'est un multi-launch en fait et il y a un autre launch qui nous jette en arrière pour qu'on prenne de la hauteur, on redescend et on se fait repousser top hat et ça termine, donc c'est très très court. Et pour moi il y a des petits défauts quoi quand même là-dedans, même si j'ai bien aimé le début, vraiment le launch est super, le looping est cool, et puis après bah, la deuxième partie elle est un peu décevante parce que bah, c'est hyper rapide, alors le fait de repartir en arrière c'est sympa, et je pense qu'en fonction de où on est sur le wagon on doit pas avoir la même chose, mais le top hat qui est censé être un élément de fou en termes d'airtime, bah, au moment où tu descends ça freine, et donc voilà il manque peut-être, je sais pas, 100 mètres de rail pour que ça donne de meilleures sensations sur la fin. Et ça, j'avoue que ça me déçoit un petit peu. Mais c'est largement dans le top 3 des rides du parc ici. Hein. C'est vraiment top avec West Coast Racer et puis pour moi, Goliath, effectivement. Donc là, on arrive sur la fin de la journée. Le parc va pas tarder à fermer. On va voir si on fait autre chose ou si on se promène. Puis on va continuer à faire des plans. Et puis voilà.
retour, mesdames et messieurs, c'est une outro ici, puisque Six Flags Magic Mountain, c'est terminé. On a passé une bonne journée. Comme je l'ai dit, ça n'a pas fini tard, hein, puisque là, il est 18h, le parc ferme. On a regardé un petit peu le merch, pas grand-chose. En fait, débris du parc, parce qu'à chaud, ici, ce qui me gêne le plus dans ce parc, c'est qu'effectivement, c'est un parking à coaster. Alors on y va, on le sait, mais quand on est dedans, c'est après avoir fait Universal, évidemment, c'est le grand écart. Après, c'est le grand écart au niveau des rides, effectivement, puisque en termes de sensations, on est bien plus fourni ici. Et puis, voilà, moi, je ressors un peu avec un jugement en demi-teinte parce que tout n'était pas ouvert. Donc, je n'ai pas profité du parc à son plein potentiel, je pense. Et c'est ce qui me frustre un petit peu, puisque, effectivement, je n'habite pas à Los Angeles. Donc, je ne suis pas prêt de revenir. Et c'est un peu ce qui me fait chier. Moi, je venais vraiment pour faire mon premier RMC ici. Donc, ça aurait dû être Twisted Colossus. Ça s'est pas fait parce que bah voilà, il est fermé comme je vous l'ai dit. Superman Escape from Krypton, ça avait l'air vraiment cool. C'est fermé. La tour de chute, j'adore les tours de chute. Elles montent très 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 haut, 110 mètres. Elle est fermée aussi. Voilà, c'est pour ça que je ressors très frustré de cette journée. Mais j'ai kiffé. On était avec le même groupe encore une fois. On a croisé d'autres abonnés du Jiraya Trip, donc avec Sport US Travel effectivement, qui était présent et c'était super cool. Après, je tiens à dire aussi que comme c'est un parc à coaster, le parc n'est pas familial. C'est pas un truc où tu viens en famille, absolument. Il y a un carrousel, frère, c'est tout. Et voilà. Donc, tu sais où tu mets les pieds, mais c'est faut tenir aussi. C'est un peu un marathon, puisque bah, chaque ride, t'as un peu de sensation, ça bombarde, quoi. Et moi, vous me connaissez, je vous dis, je suis malade, je me suis sevré, j'ai arrêté de prendre des médicaments pour voir ce que ça faisait. Et franchement, je tiens bien. Mais là, après Goliath, l'hélice de fin de Goliath, elle est vraiment intense. Il y a un voile gris, machin, etc. Et après ça, j'étais en mode ok, down. Sachant que si j'avais été dans une condition normale, j'aurais pas eu de soucis, je pense. Mais hier, on a fait un barbecue, petite soirée avec l'équipe et tout. On a fini à 1h30 du matin. Alors, c'est pas tard, certes, mais avec le décalage horaire, ça commence à piquer. Et c'est vrai que j'ai consommé un peu de boisson, quoi. Voilà, donc ce matin, fou, dur. Et parc d'attractions, prendre des jets, tout ça, alors que t'es fatigué, mal de crâne, c'était pas la meilleure expérience. Mais si je devais noter le parc, encore une fois, une petite note sur 10. Vu que, en fait, ma note va être biaisée, donc moi je vais dire 6 sur 10, parce que bah, pas de théma, les boutiques sont pas folles, le merch il est catastrophique alors qu'ils ont des licences de fou. Et le 6, c'est uniquement pour les expériences que j'ai eues qui sont toutes quasiment top. Alors oui, bon, y a certains coasters moins bien que d'autres, bon, on a fait les débriefs, hein, vous repasserez tout ça, mais dans l'ensemble, ouais, ça tient quand même ses promesses, mais j'ai pas pu en profiter pleinement. Et c'est ce qui va ressortir en fait de ce séjour dans ce parc ici, un peu frustré. Mais bon, heureusement, la journée est sauvée avec la bonne ambiance et puis on s'est régalé, donc c'est le principal. Mais j'ai cette Colossus qui me fait un petit peu mal. Voilà, je sais pas si vous avez eu l'occasion vous de faire Six Flags Magic Mountain, donc parce que Six Flags c'est une chaîne, hein, de parcs aux États-Unis. D'ailleurs, faut savoir que Walibi par exemple, Walibi Belgique, avant c'était Six Flags. Petite anecdote, c'est pour moi. Mais ce ne l'est plus maintenant. Donc c'est vraiment aux États-Unis. Je crois qu'ils prévoient d'ouvrir un parc aussi à Dubaï ou je sais pas quoi. Bref, c'est réputé ici pour avoir de belles sensations. Donc voilà, c'était mon premier. Si vous l'avez fait, que vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à venir aussi. Et peut-être que vous êtes arrivé à un moment où tout était ouvert, vous avez peut-être eu plus de chance que moi. Peut-être que vous avez fait d'autres Six Flags aux États-Unis, pourquoi pas. N'oubliez pas le like, le commentaire, comme d'habitude, si ce vlog vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit de parc ou n'importe quoi. N'oubliez pas évidemment de mettre un petit commentaire, de me dire vos expériences, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Salut.